Cette fois-ci, on va aller débloquer le futum avec le contrat pas un moment de répit. Vous voyez ce champ, allez le labourer et je vous offrirai des semences. Mais je n'ai pas que ça à faire. Vous semez des graines, vous obtenez des pommes de terre, vous me les apportez, je vous paye. Allez, bougez-vous. Alors, c'est pas exactement ce que je comprends dans le descriptif, moi. Ouais. Je sais pas. Il me dit de lui amener les pommes de terre, alors qu'en fait, il faut d'abord que j'amène les engrais et les planches de bois. Bon, je vais venir par là. Je vais, comme je le disais juste avant, amener mon Ankatra, le déposer au champ. Je vais aller chercher les ressources à cet entrepôt, puisque tout est disponible en illimité. Donc ça sera bien. Ensuite, je livre. Et ensuite, je fais le champ. Et je ramène le futum à la maison. Donc on va l'accepter. Allez à contrefort pour commencer cet objectif. Quoi? De quoi? Depuis quoi? Hein? Depuis quand il y a besoin d'être sur une autre carte pour lancer un contrat? Da fuck! Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Waouh! Il faut que j'aille sur l'autre carte pour lancer le truc. Mais c'est incroyable, ça. Ok, bon... Ça sert à rien qu'on s'y téléporte pour rien, hein. On va se préparer, on va emmener tout le bordel et on verra bien. Alors, on va se sortir un petit board. Il me faut un véhicule comme il faut. Oula, on va peut-être changer de couleur. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans les couleurs de base? Ouais. Allez, en bleu. En bleu, hop. Alors, ouf. Ouais, allez, mes 6 heures du mat. On va commencer par aller chercher la remorque. C'est l'Amstrad. Comment tu vas? Alors, on va faire comme on m'a dit, 2-3 petits tours. Il paraît que ça décoince. Ouais. Le pire, c'est que ça a l'air de marcher. C'est ça qui me fait encore plus de la peine. Ça me fait encore plus de la peine de voir que ça marche. Alors, là, 3 slots. Plateau large. Col de cygne, non. Ça fait beaucoup de remorques, hein, du coup, faut pas la louper. Remorque de bas, remorque basse lourde, oui, ça a l'air d'être ça. Je suis même un peu haut pour elle. Hop. Alors on va regarder, normalement Additional Paint Job a mis à jour son mode. Donc peut-être que l'Ankatra et le Futum peuvent avoir d'autres couleurs. Donc ça va peut-être permettre de tester tout ça. Hop. Hop. Voilà. Alors, Ankatra. Alors petite info également, que je vous balance comme ça. On a 2-3 petits spoils, 2-3 petits teasings de la saison 15. Il y aura de la neige. Il y aura une montagne enneigée, il n'y aura pas de scouts, et il y aura des vieux camions lourds. Des camions old school pour utiliser le terme exact. Alors non, Additional Paint Job n'a pas été mis à jour à ce que je vois. Bon bah c'est pas grave. J'aurais presque envie de changer de couleur, celle-là elle me plaît presque mieux. Que celle-là, oh, oh, si ça passe. Alors, par contre il faut que je l'équipe crochet d'attelage. Attelage pour remorque lourde. Non, c'est ça. Faut que je lui mette ça hein, pour les modules. Peut-être que le contrepoids avant. Ah, par contre, je suis obligé de mettre la grue pour avoir le contrepoids. Si je veux éventuellement mettre des machines. Ouais, bon, on va essayer sans. On verra comment il se comporte. On verra comment il se comporte avec. Ouh, je sais même pas s'il va monter. Je sais même pas s'il est assez large pour monter. Voilà, vache, c'est juste! Oh, oh, oh. Oh là là, tu vas avoir de la place au moins là. Hein. Ok. Changer de camion. Hop. Activer les rampes. On s'est pas compris. Empiler les camions, merci. Peut-être faire une petite toffe. Ah merde, j'ai oublié d'enlever les trucs, les fameux. Hop. Je l'ai fait ce contrat, bizarre d'aller sur l'autre carte. Ouais, je sais pas si c'est comme ça pour d'autres.
J'aurais peut-être dû tester, voir d'autres contrats, voir si ça fait le même bordel. C'est la première fois que je vois, tu es obligé d'être sur une autre carte pour lancer un contrat. Que tu aies besoin de la visiter une première fois, éventuellement. Putain, il y a des belles couleurs. Hein. C'est quand même très chouette. Hein. Waouh. Les couleurs, elles pètent, je trouve. Ils auraient pas amélioré le système de photos? J'ai l'impression qu'il n'y a plus les couleurs qui deviennent blanchâtres. Peut-être que je me plante. Allez, c'est parti. On va se farcir le petit tour comme d'hab. Bon, il est un peu petit, hein. Ils abusent aussi pour le ferry, il faut faire max de contrat avant déblocage. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment besoin du ferry? Après, je sais pas. Salut, chat. Du plaisir sur cette nouvelle carte? Oui. Oui, ouais, je vais pas dire que je m'éclate, mais pour l'instant, après, j'ai pas fait grand-chose. Hier, j'en ai chié un petit peu, j'ai débloqué, exploré les deux cartes. Là, je suis au déblocage du quatrième véhicule. J'ai quasiment rien fait d'autre, donc pour l'instant, c'est... Voilà, c'est la routine habituelle. Peut-être une routine qui devient un peu lassante, pour être honnête, sans être non plus désastreuse, hein. Mais c'est vrai que ça, j'étais en train d'y réfléchir, je me dis, il y a quand même une espèce de routine un peu... Bah, qui commence un petit peu de lasser, je trouve. Vraiment, je trouve que ce système... Je sais pas. Plusieurs choses qui me gênent un petit peu, toujours de toute façon les mêmes problèmes, hein. Alors hier aussi, il faut dire encore pire. Hier soir, je me suis attardé après le live à faire l'ordre des missions. C'est un désastre. C'est un désastre, ils ont fait n'importe quoi. On fait des missions Alors il y a trois grandes catégories. Il y a une catégorie plutôt champ et bois, je crois. Non, champ tout court. Une catégorie château et une catégorie bois, si je me trompe pas. Un truc un peu dans ce style-là. Et tu fais du champ pour débloquer du château, et inversement, et bidule, ça a aucun sens. Ça a aucun sens, ils ont trop verrouillé les trucs, c'est encore une fois n'importe quoi, et je trouve ça gâche le plaisir, l'immersion, la liberté. C'est un peu casse-couille. C'est un peu casse-couille, je sais pas qui a encore fait ça, alors... D'une certaine manière, j'ai envie de dire que ça peut être la même personne qui a fait la saison 12. Hein. Je crois que c'était la saison 12 qui était catastrophique au niveau de l'organisation des missions. Donc, d'une certaine manière, je pourrais me dire que ça m'étonnerait pas que ce soit le même. Ils ont surtout amélioré les couleurs du jeu. Ouais, je suis pas sûr. J'ai pas l'impression d'y voir une amélioration au niveau de ça. Par contre, quand tu prenais la photo, ça devenait tout beige, tout clair. Et j'ai pas l'impression que ça l'ait fait là. Par là, hein. Ouais. Allez, en avant. Enfin bref, c'est pas... Salut Fifi. Je sais pas, j'ai une petite lassitude qui s'installe et... Bon, j'ai un peu peur que l'expédition, ça soit bien plus rapide, hein, que malgré que j'en dise beaucoup de bien, hein, je préfère rester... Enfin, je suis honnête, je pense. Je pense qu'expédition, la lassitude va arriver encore plus vite. Surtout si, selon ce qu'ils nous font faire, mais... Ah, je touche déjà le sol. Ah ouais. Je vais devoir encore être obligé de faire des trucs légèrement dangereux pour mon véhicule. Ouais, c'est encore pas terrible non plus là, hein. Là peut-être. Ah bah ouais. Hein. C'est pas beaucoup mieux. Hein. Alors j'aurais préféré que tu m'attaches l'avant. Merci. Ouais. Ouais. Ce passage, ils l'ont vraiment abusé. Hein. Ils l'ont vraiment abusé.
c'est pareil, tu contournes une route pétée et tu tombes sur un chemin limite pire. Ça, franchement, ça me casse les couilles au bout d'un moment. Ah oui, bah oui, il fallait un moment que ça tape, hein, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Ça, j'avoue que ce genre de petites choses aussi, ça commence à être un peu lassant. Hein. Limite, tenter de se casser la gueule par la route qui est effondrée, c'est limite plus sympa que de passer là, quoi. On dirait que c'est plus lumineux et contrasté. C'est vrai que c'est assez lumineux, mais après, pas longtemps, hein. Aïe. Ouah, 6 dans le moteur. Ah ouais, carrément. D'accord. C'est vrai que c'est assez clair. Après, moi, j'étais sur Timer il n'y a pas extrêmement longtemps. Mais bah, je trouve pas forcément que ce soit extrêmement différent. Hein. Après, il y a beaucoup de couleurs au niveau des bâtiments. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue. Hein, je sais pas. Peut-être la forêt plus variée au niveau des assets. Je sais pas. Après, la phase a l'air sympa, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs déjà qui sont un petit peu lassants. Et si en plus ils font certains trucs merdiques avec l'ordre des missions, tout ça, ça va pas aider à prendre le kiff que mérite le jeu et la saison. Ça, c'est un peu dommage. Je passe par la station service, je crois, hein. Non mais, le machin il va à 50 max. Tu arrêtes d'accélérer, tu freines, le machin on dirait qu'il accélère. Il y a un moment faut arrêter quoi. C'est un délire. Je trouve qu'il y a beaucoup de routes sur cette carte. Il n'y en a pas tant que ça hein, en fait. Il y a surtout une route principale qui fait tout le tour sur chaque carte. Et qui sont très utilisées, mais après en dehors de ça, je crois que c'est un peu limité. Après tu vois. T'as ce genre de truc là, voilà, t'as des couleurs partout quoi. Ah, t'as la verdure de la forêt, le bitume, voilà, il y a mon camion, il y a la station service, tout ça. C'est vrai que ça claque, hein, les couleurs sont plus vives, c'est vrai que. On dirait que les couleurs pètent plus. Ah, il y a peut-être un léger changement au niveau de la prise de photo, mais moins présent qu'à une époque. Moins présent qu'à une époque, intensité couleur, peut-être qu'il y a un truc qui marche mieux qu'avant. Je ne sais pas. Bon, on va faire notre premier champ avec le nouveau véhicule. Alors, ce que ça donne. Oula, il a un petit problème là. Ça bouge dans tous les sens là, ces espèces de vérins, ces trucs à l'arrière là. Il est pas content. Pas tarder de s'envoler celui-là. Salut JCVD. Il y a quand même un petit air de saison 12. Hein. Mais. Avec quand même des. Oh là là, des bâtiments, il n'y a rien à dire. Le trottoir, les bâtiments. Bon, à part que le trottoir. Ah non, c'est un rajout. Il n'y a pas un bug dans votre machin, c'est normal qu'il y ait ça. Ah, ouh. Ah, ouh. D'accord. D'accord. Ah. Ah, ok. D'accord. Oui, oui. Ok, bon, bah on leur enverra un petit extrait pour leur faire plaisir. Mais là, visiblement, il y a un petit souci. Ouais, 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 ouais. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas avec cette histoire. Ah ouais. Et le trottoir s'arrête comme par hasard ici, enfin leur truc. Regarde, ça passe même à travers les pavés. Et si tu recules, c'est exactement là où ça se finit. Bon, le trait est pas droit, par contre. On dirait que ça se finit pas pareil.
là là, les baltringues. Bon, allez, on va arrêter de regarder ça, on va se faire mal aux yeux. Et au moral. Ah là, il y a une petite boulette là. Il y a une petite boulette qui a été faite là. Oh, bah c'est pas comme s'il y avait une bêta. Hein? 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 Ah ouais. Ouais, une bêta, hein. Une bêta. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien qui passe de l'autre côté. C'est bizarre aussi, c'est ce petit côté. Bah après, c'est peut-être parce que moi et puis certains d'entre vous sont. D'accord, ils m'ont déjà remboursé le Elgato Amazon? Nous avons imaginé votre remboursement. C'est parce que j'ai posté le truc tout à l'heure? Un remboursement instantané. Ok. Bah, j'aurais dû le garder alors. De toute façon, il marche pas, je veux plus le voir. Une petite sensation quand on suit le PTS, tout ça. Et qu'on commence à avoir quelques infos sur la phase suivante, on est en train de se dire, ah, mais c'est la phase suivante qui va être géniale. Et on se dit ça presque à chaque fois, j'ai l'impression, c'est un peu bizarre. Bon, après, faut dire là, bon, moi j'adore les tracteurs. Hein, mais, enfin, le farming. Surtout quand le véhicule sur la remorque ne tient pas. Ouais. Ouais. Bon, on va leur faire un petit extrait, hein, ce que je te dise. Ok. Donc quand tu suis vraiment les trucs, bah tu commences à connaître. Ah oui, c'est vrai, faut que j'active maintenant le contrat, j'ai le droit. Pas un moment de répit. Ouais, j'ai le droit. Ah, ça doit être pour activer le champ. Ça doit être pour activer le champ en fait. Ça doit être ça le petit bonus. Bon, je vais le larguer là-bas peut-être. Peut-être le larguer là-bas le tracteur. On a l'impression, vu qu'on est déjà au courant de tout au niveau du PTS et tout, quand tu suis, quand moi je fais des vidéos, tout ça, j'essaie de m'informer, de suivre tout le truc. Et j'ai la sensation que du coup, bah, je pense déjà à la phase suivante alors que j'ai à peine commencé celle-là. C'est un peu particulier. Oh là! Oh là, il y a une barrière qui s'est envolée! Oh, elle s'est plantée dans le sol en piqué! Oh la vache! Allez, c'est parti! Donc, on va aller chercher le matos. Alors, le matos, faudrait que je passe plutôt par là. Ouais, par là, hein. Par là. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression que. Non, il me dit déjà de faire le champ. Non, c'est le point de livraison. Ok, c'est le point de livraison. Hop, on va aller charger tout ça là-bas déjà. Allez, c'est parti. Ouais, bon, je passe, hein, la barrière, elle a explosé en plein vol là. C'est dommage qu'ils aient pas de neige sur les hauteurs où il y a le bois. C'est l'Autriche, il n'y a pas de neige et pas autant de boue merdique. Ouais. Ça aurait pu être un peu comme la Scandinavie, peut-être, ou une carte de neige, une carte normale, je sais pas. Bon, après, je trouve le. Au moins, la carte a vraiment beaucoup de gueule, donc je vais pas trop me plaindre. Elle est vraiment classe. Salut, Papy Samo. Tu n'aimes pas les doubles roues sur les tracteurs? Absolument pas, je déteste ça. Je trouve ça très moche sur la plupart des tracteurs, je sais pas, c'est. J'ai l'impression d'avoir un truc cheaté, je sais pas. Peut-être que si j'étais agriculteur, je ferais peut-être pas la fine bouche. Mais quoique, je sais pas combien ça leur coûte au niveau des pneus et tout, ça doit peut-être être un peu coûteux. Mais et puis de toute façon, d'avoir les tracteurs comme ça, enfin je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais peut-être que dans la réalité, j'utiliserai les doubles roues, mais là dans le jeu, je déteste ça, je trouve ça moche.
Ah, il y en a, je les vois avec leur mode. Ah là là, vous me faites vomir. Je vois des mecs avec des camions modés. Des quoi? Des X ou des... Ou des Azov. Et ils ont des rouges jumelés dessus. Ah là là, pitié, au secours. Ah là là, pitié. C'est pas possible, quoi. Ah là là, ils te mettent des rouges jumelés de camions encore plus cheatés. C'est... C'est juste pas possible. Salut Mathias, salut Vieuxclou et salut Abarth. Eh ben vous arrivez par grappe. Et salut Snow TV. Par là. Je pense. Eh ben... Hérétique au bûcher que leur mode cheaté. Ah ouais, non, mais je suis désolé, hein, Je le répète souvent, chacun joue comme il veut, tout ça, mais j'ai... Ah, j'ai du mal, franchement. J'ai du mal, hein. Autant, si tu veux, que les gens galèrent, qu'ils prennent que les meilleurs véhicules, voilà, ils sont pas forcément très bons, très patients, tout ça, ils prennent les meilleurs véhicules, bon, voilà, c'est compréhensible, mais je vois des mecs, mais ils se posent même pas la question, c'est... Ils prennent des scouts cheatés qui ont des puissances de ZX. Ils prennent des remorques 8 places dessus. Enfin, même plutôt 4 places parce que 8 places c'est trop long, c'est trop compliqué pour eux. Ils ont des camions qui ont des pneus de 70 pouces jumelés. C'est. Ah, c'est à vomir des tatarins avec 8 roues directrices. Des pneus Taiga. C'est. Ah là là, c'est à vomir. Je suis désolé, mais. Ça, je peux pas accepter ce genre de truc, quoi. Je l'ai déjà dit, hein, pour moi, ce genre de truc, c'est jouer à Call of Duty avec des balles qui traversent les murs. Et faire comme si c'était bien. Non, c'est pas bien, non. Autant tu prends les Azov, tu prends les X, les Taiga et pourquoi pas les Voron. Tu vas écraser le jeu, voilà. Mais au moins, tu vas prendre les véhicules du jeu. Tu vas pas prendre des trucs cheatés de fou, quoi. Mais il y en a, ils prennent vraiment. Tu en penses quoi, toi, Tolinx, comme camion old school pour la prochaine saison? Non, là, je peux pas. Je peux pas du tout donner d'idée parce que j'y connais que dalle, parce que probablement que même si je m'y connaissais, je pourrais citer des camions et que ça sera tout l'inverse. Donc ça n'aurait aucun sens, hein. On connaît les développeurs. Il y a quelques camions qui me viennent à l'idée, mais voilà, je sais pas. Alors en plus, on risque d'être au Canada. On a eu beaucoup de camions américains, donc ils sont capables de mettre du russe. Je sais pas. Belle région, ouais, elle est très chouette, hein. Je trouve que les modes cheatés cassent le jeu. Je sais pas pourquoi jouer avec des modes. Après, il y a mode et mode, hein, mais... complètement d'accord avec toi. Il y a mode et mode, voilà. Si tu galères, il y a des véhicules. Bon, après, si t'achètes pas les DLC, c'est sûr que t'as pas le ZX612, 605. Bon, t'as quand même... t'as pas le Taiga, éventuellement. Après, ça dépend à quoi il joue, mais... oh là là. Non, je... Je trouve ça tellement dommage, quoi. Ouais, le Boar, il se débrouille bien, c'est un bon véhicule, hein, à partir du moment où tu l'envoies pas dans de la boue trop balèze. Bon, il consomme beaucoup, par contre. Mais moi, je le kiffe, ce véhicule, c'est mon véhicule obligatoire pour une 8 places, hein. On verra si on en tente une. Moi, je me dis, pourquoi pas un vieux Mac comme old school. Je sais pas. Ça serait bien, hein. Ça serait bien, un Mac Air, peut-être. Celui-là était assez connu. Il a été fait en mode vite fait, je crois. Il est plutôt stylé. Tu la conseilles, la phase, ou pas? Alors là, franchement, encore une fois, les gars, je peux pas vous donner un avis et vous conseiller une phase que j'ai à peine effleurée, quoi. Alors, je suis à 6 heures de jeu, à peu près, dessus, mais dont 4 heures, peut-être, d'exploration.
Je peux pas vous conseiller, déconseiller cette carte ou quoi que ce soit. Elle a l'air bien. Elle a l'air bien. Il y a des trucs qui me saoulent un peu. Mais bon, ça veut pas dire qu'elle sera mauvaise pour autant. Mais elle a l'air bien. Merde, je suis un mètre trop loin. Je voulais couper le moteur le temps de discuter et de charger tranquille. Donc de l'engrais. Meule de foin, d'accord. Ça me fait chier que les meules de foin, on les charge. J'espère qu'on peut les trouver dans les champs. Donc l'engrais, c'est des tonneaux. Ok, je pensais que c'était plutôt sous forme de sac. Donc de l'engrais et des planches de bois. Tout est en illimité, oui. Sauf les meules de foin, mais de toute façon, j'en ai pas besoin. Bon, bah il n'y a plus qu'à repartir. Bon, allez, on va changer de route. On est dans le bon sens pour aller par là. Ça, elle va être moins facile la route, hein. Elle va être moins bien, mais. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis après, un petit peu de tracteur. Ça me tente bien. Ouais, le R600, c'est celui-là que je pensais. Ah, le R600, c'est un Mac Air? Je sais pas, moi j'ai vu que Mac Air en termes de nom. Je savais pas qu'il y avait R600, machin, bidule, j'y connais que dalle. Il a quoi comme pneu? Je lui mets les. Les. Merde. OHD1, je crois. Il me semble. C'est ce qu'il y a de mieux. Même les pneus modés, je crois, sont moins bien. Les pneus DLC, pardon. Putain, je confonds tout le temps mode et DLC. Pourtant, c'est pas pareil. Je lui mets ces pneus-là. Il fait très bien l'affaire. Il fait très très bien le taf. Et rien à voir, mais t'as vu le prix de la PS5 Pro? Oui. Oui. Après, faut voir à quoi elle va servir, mais franchement. On nous vend plus de hardware que de software en ce moment, c'est. De toute façon, moi je joue plus forcément aux jeux qui viennent de sortir. Mon avis, ma console me suffit. Hein. Bon, moi j'ai une série X, je suis pas sur PlayStation, mais s'ils en sortaient une nouvelle, je n'y passerai clairement plus. Je l'ai fait à une époque, mais là je le ferai pas. J'en trouve pas l'intérêt suffisant. De toute façon, visiblement, même la nouvelle PS5 Pro, elle ne fera pas du 60 FPS sur tous les jeux, tout ça. Donc, ça dépendra aussi de ce que les développeurs arriveront à faire, etc. Donc, ce que j'ai surtout en tête dans l'actualité de PlayStation en ce moment, c'est quand tu vois la PS5 Pro en réservation et surtout tout ce qu'il y avait pour le 30e anniversaire et que tout a été raflé par les scalpers. Et ça se vend à 3000, 5000, 10 000 balles. C'est un délire. C'est un délire. Aujourd'hui, tout est pris par les scalpers. C'est un truc de fou. Le seul truc où je suis content qui a été pris par les scalpers, c'est l'édition collector de Dragon Ball Sparking Zero. Elle est complètement dégueulasse et ils arriveront jamais à la revendre, à mon avis. Tellement elle est immonde. Donc au moins, ils vont la garder sur les bras. Parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Hein. Vraiment, la figurine, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller voir sur Twitter, même YouTube. Ils viennent de mettre une vidéo, mais ils la montrent pas de près. Parce que vraiment, elle est immonde et c'est bien ce que j'avais l'impression de voir. Pour 230 balles, je crois. Et il y en a qui disaient que l'édition collector, que malheureusement, je sais pas encore ce qui va se passer pour mon Assassin's Creed Shadow. À 280, la figurine, elle tabasse beaucoup plus. Entre engrais et barils de pétrole, il n'y a que le nom qui change et les devs se sont pas fait chier. Je te rappelle aussi qu'il y a les carburants. C'est aussi des bidons. Ils ont une autre couleur, je crois, mais il y a aussi les carburants qui ont les mêmes bidons. Et je sais pas, il y a. Il y a les produits chimiques aussi de la saison 8. Il y a, je sais plus comment ça s'appelle, il me semble qu'il y a aussi ça. Hein. On est à la quatrième, je crois, de ressources en bidon qui changent de couleur. Bon, après, je vous. Honnêtement, sur ce coup-là, c'est pas grave. C'est pas grave, les bidons ont pas la même couleur, c'est tout. Moi, je m'en fous un peu, là, franchement. Je préfère ça, tu vois, que la citerne à eau qui sont pas fait chier. Là, tu vois, ça me fait plus chier, la citerne à eau. Même si on va pas l'utiliser beaucoup plus, tu me diras l'un ou l'autre. Mais là, ça me fait beaucoup plus chier, je trouve. Là, tu vois les bidons. Bon, c'est des bidons, de toute façon, tu veux qu'ils fassent quoi? Un bidon reste un bidon, ça me gêne pas plus que ça. Par contre, la citerne à eau, ça m'emmerde vraiment qu'ils aient pas fait un effort. Ils ont juste fait une recoloration, et ils ont même pas fait la coloration de la remorque, que je trouve assez chouette. L'espèce de bleu un peu presque Subaru, un peu métallisé. J'aurais bien voulu le retrouver sur la citerne. Module, malheureusement elle y est pas, ça c'est dommage. En fait, le Mac Air, son nom c'est R600, d'accord, ok. Et ben j'aurais appris un truc, tu vois.
Tu vois, j'y connais vraiment que dalle au camion. Hein. Moi, je ne sais absolument rien. Que dalle. Donc, je m'avancerai pas, mais c'est vrai que le Mach Air, je le connais vite fait. Ça pourrait être un camion sympa, old school. Ça pourrait être un peu plus ce thème, effectivement. Moi, je m'étais dit, pourquoi pas. Il y avait un Zil 131, je crois. Attends, est-ce que c'est ça? Je sais plus. Il y a un vieux camion militaire à 6 roues, 6 essieux. 3 essieux, pardon. Qui est assez connu, qui fait plutôt camion un peu bah, comme le Boar, mais en plus long. Qui est plutôt entre camion tracteur. Et je m'étais dit, ça pourrait être sympa. Mais je sais pas si ça va se faire dans le jeu. Peut-être que non. Mais du coup, c'est pas très old school. Il y en a qui pensent aussi à des camions de Mudrunner, peut-être. Bon, faudra voir. Hein. Salut, Paul. Faudra voir, mais... En tout cas, pas de scout, des vieux camions. Voilà, après, peut-être qu'en mi-saison, on aura un DLC payant. Faudra voir. Bon, c'est pareil, hein, ça se trouve, ça sera un scout. Je pourrais presque lui répondre au développeur. Il a dit pas de scout en saison 15, mais pourquoi pas en mi-saison? Je sais pas, je pourrais tenter de lui demander pour voir. Hop. Engrais donc, on livre, on est bon, hein, on a tout fait. Hop. Alors on va peut-être ramener le camion vers le futum. Par contre je vais manquer d'essence. Bah du coup de toute façon le Mac viendra peut-être me faire le plein. Il faudra peut-être que je passe à la station service. Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour réparer le futum et je sais même pas si j'aurai assez dans le Mac. Ça va peut-être être chaud. Hein. Je sais pas combien il a besoin. Fanta sera content vu que ce sont des vieux camtars. Il y a de grandes chances. Après, c'est loin d'être le seul. Mais moi, je suis pas forcément vieux camion. Mais je suis ouvert un peu à tout. Mais du moment qu'il soit un peu capable. En espérant qu'ils ne nous mettent pas du Transtar. Quoi. Il y a qu'Optimus à qui ça fera plaisir. Mais voilà, du moment qu'ils mettent un truc qui est un peu capable. Ah merde, je suis pas ici moi. Ah merde. Je croyais vraiment que ça allait passer. On va essayer de l'emmener par là. J'ai genre tout juste assez d'essence pour l'emmener là-bas. Hein. Waouh! Ah, mais sans déconner, ils ont fait un truc aux objets. Hein. Oh, maintenant ils s'envolent. Hein. C'est dingue. Voilà, vache, par contre, il est large le Boar. Il est large le Boar. Voilà, vache. Oh, c'est juste. Hein. Ouh, c'était juste. Hein. Allez, une petite marche arrière, je devrais avoir pile assez d'essence. Hein. Et... allez, 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 dépêche-toi, on va tomber en panne avant. Je veux juste me garer légèrement à côté. Voilà, impeccable. Eh bah c'était juste. Hein. Qu'est-ce qui picole ce véhicule. Hop, on va mettre la journée. Penses-tu qu'il va y avoir un DLC en plus? Un DLC en plus? Un DLC de quoi? Il est super mon Transtar, qu'est-ce que tu racontes? pas trop mal les nouvelles remorques à grumes. Je les ai pas testées. Alors les nouvelles les remorques à grumes, ça fait bizarre parce que je pense que c'est ton correcteur qui les a transformées en agrumes. C'est pas des remorques d'orange ou de pamplemousse, hein, c'est des remorques pour tronc moyen et court. Elles sont plutôt chouettes, je les ai pas encore testées, je les ai vues vite fait, mais. Salut Kidrich, un DLC camion, comme j'ai dit, il peut y en avoir un en mi-saison, comme d'hab. Hein. C'est comme ça qu'ils pratiquent maintenant, hein, c'est entre les deux saisons. Entre cette saison-là et la prochaine, il y aura un patch sûrement et puis ça sera accompagné d'un DLC payant. Dommage que ça sorte plus avec ce truc-là. Hein.
Vraiment, moi j'aurais vraiment préféré. On va prendre un petit peu de chemin de terre, c'est plus sympa. J'aurais vraiment préféré que ça sorte avec la phase en petite surprise. Enfin, c'était ça que je kiffais. C'était alors des fois c'était dans les, c'était leaké, des fois c'était dans les bêtas, dans le PTS pardon. Mais des fois on avait vraiment la surprise. Tiens, il y a un nouveau camion DLC. Oh la vache, ils ont sorti ça. Ça aurait été le petit plus. Moi j'aimais bien découvrir un pack DLC. Ça me faisait du contenu pour vous, je pouvais tester un truc et tout. C'était sympa, mais malheureusement, ils ont arrêté ce truc-là et ils te sortent ça en mi-saison quand t'as plus rien à faire. C'est un peu dommage. Eh, c'est vachement profond ici, hein. Je me rappelle plus quelle taille de pneu j'ai, mais. C'est un des rares véhicules dans lesquels j'aurais envie de faire de la vue intérieure, tu vois. Un petit tracteur tranquille. Bon, par contre, ça se coud dans tous les sens, ça fout la gerbe. Mais j'adore, t'as de la vue partout, tout autour là. T'es dans ta petite cabine, dans les champs, là, c'est super chouette. Remorque agrume, je me demande ce que j'aurais loupé. Alors, si, par contre, le DLC qu'on va peut-être avoir, en fait, ça sera pas un DLC véhicule. Je vous rappelle que les devs ont peut-être pas réfléchi, parlé, évoqué un DLC de remorque. Donc ça se trouve, au lieu d'avoir un DLC de pneus, on aura un DLC de remorque. Ou un DLC de véhicule, on aura un DLC de remorque. Donc ça va peut-être se finir comme ça, entre les deux saisons. Ça, j'aime vraiment bien en vue intérieure, en tracteur, c'est super cool. Waouh, je suis allé un peu loin. Ah. Mais il est con. Bon, on va regarder quand même. Donc ces champs-là à faire. Je suis où par rapport au champ? Ouais, bah je vais partir sur le côté droit là. On va. Est-ce que je le fais en escargot ou est-ce que je tente autrement? Je me demande. D'habitude, je fais plutôt mes champs en escargot. Ça devrait être pas mal, hein. Après, il n'y a encore pas énormément de place sur les bords pour partir. Il y a des arbres, des bottes de foin. Là-bas, il y a peut-être un fossé. Je sens qu'on va rester sur l'escargot, hein. C'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus sympa. Hein. Salut Shizam. Tu vas voir comme ça trace tout droit. Ah, il ouvre déjà le truc, je suis même pas dedans. Par contre, il manque peut-être un petit poil de puissance, hein. Ah, en vitesse haute, c'est peut-être un peu mieux. Ouh là, la remorque, elle tourne un petit peu bizarrement, mais. Après, j'ai bien envie de retester un champ au K700 maintenant qu'il y a le bloc diff désactivable. Ça doit rester pas mal, hein, maintenant. Bon, le K7M, on a vu que bah, la différence de direction, elle était pas folle. Hein. Franchement, c'est pas dingue du tout. Hein. Comme quoi, il tourne vraiment pas beaucoup au niveau direction déjà. Déjà 30%, j'ai même pas fait un tour. Tourner un peu tard. Et comme je pensais, il subit vachement le terrain. Par contre, le champ est assez petit du coup. Ah, là, il a pas. Il a pas marqué là. Comment ça, t'as pas marqué ici?
Merde, je suis con, j'ai coupé trop court, fallait prendre l'arrêt. Ouais. C'est pas grave, mais... J'étais perturbé par le fait qu'il ait pas fait la ligne, là. Ok. Il est nerveux, ce petit Valmet. Bon, il va pas si vite que ça, hein. Il est... Je lui ai mis le meilleur moteur, pourtant. Mais après, il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui va vite, hein. 63%. J'aurais clairement pas besoin de le faire en entier, hein. Ce coup-ci. Ah, quoique, ça se réduit vite, hein. Je pense que quand les développeurs, ils ont dit, on me l'a répété, comme quoi les champs, ça serait plus facile dans cette saison, je pense que c'est à cause du tracteur. Hein. C'est à cause des tracteurs qui sont pas articulés. Hein. Parce que du coup, ils ont dit, il y aura des nouvelles remorques, le farming sera plus facile. Moi, et je pense beaucoup de personnes, on a compris que ça serait plus facile parce qu'il y aura des nouvelles remorques. Mais en fait, non, c'est des nouveaux tracteurs qui rendent le farming plus facile, quoi. On s'est un petit peu fait avoir sur la compréhension du truc. Ah, bah tant pis. Adieu. Hâte de continuer la coop avec vous et essayer les nouveaux tracteurs. Ah oui, c'est vrai qu'on avait commencé la saison 8 avec Ash. 99 et 100. Bon, bah on va... On va déposer le matos, on va peut-être le remettre à son emplacement. Hein. Alors je sais même pas ce que c'est comme champ. C'est peut-être un champ de soja. Par contre les manœuvres de remorque sont peut-être un peu plus faciles. Je sais plus si c'était difficile les manœuvres. Ah. J'arrive pas à tourner le truc. Elles obéissent quand même moyennement les remorques. Hein. Hop, alors c'est ce truc là pour ensemencer. Hein. Pour une planteuse, c'est pas une récolteuse. On va le mettre au garage alors. Accident de travail pour l'épouvantail, ouais. Bah, c'est un peu gros pour lui, hein. C'est un peu gros pour lui, hein. Allez, dans l'autre sens. Pour varier les plaisirs. Oh, ça génère des fleurs. Juste devant la remorque, par contre, pas derrière. Hein. C'est devant la remorque que ça commence de popper. Oh merde. Je me suis loupé. Du coup, j'ai plus l'habitude de surveiller mes virages. Je me dis ça va y aller, mais en fait, je fais n'importe quoi. Il tourne pas si bien que ça, hein. Je sais pas. Je... Vu qu'il subit pas mal le terrain, j'ai pas l'impression d'avoir un truc vraiment qui bascule le game, d'avoir ça plutôt que le K700. Il me semble que les champs sont plus grands, tu atteins les 100% plus facilement. Non, moi ils me paraissent plus petits, en tout cas celui-là, je pense que c'est juste l'exigence du jeu qui fait que bah, t'as pas besoin d'en faire autant qu'avant. Après, il y a peut-être des champs où ça sera plus exigeant que d'autres. C'est clairement pas de la simulation le travail des champs. Ah non. Je faisais les champs en traçant des colonnes. Mais du coup c'est plus simple en faisant une spirale. Ah bah oui, non mais totalement. Hein. Parce que t'as pas besoin de sortir du champ, t'as pas besoin de faire de manœuvres, tu tournes et puis c'est fini. Hein. Moi c'est ce que je vous avais fait en vidéo. Tu fais ça en spirale, en 2 minutes ton champ il est fini. Hein. Alors c'est pas hyper roleplay et tout, mais bon bah... Voilà, y a pas trop le choix. Hein. Très arcade, oui. Mais bon, suffit pour du stand-runner, je trouve. Absolument, je trouve que ça suffit, moi. Bah, j'aimerais juste que les tracteurs soient un peu moins... Qu'ils subissent peut-être un peu moins le terrain. Je sais pas, les champs sont extrêmement durs. Et les tracteurs, tu vois, ils bougent dans tous les sens. Ça, c'est un peu chiant. Ah, et par contre, là, j'ai tracé une tranchée. Non, je passe à travers. Ok.
Bah, tu fais ça, t'es tranquille, tu t'emmerdes pas. Le futum est plus adapté à ce travail. Ouais, il est chance. Hein. Plus adapté aux remorques, surtout. Hein. Peut-être que le champ, là, tu vois, il est pas très grand. Et du coup, peut-être ce véhicule-là est un peu plus fait pour. Parti de travers, moi qui m'a déjà mis des fleurs ici. Bon bah voilà, on va avoir débloqué le futum. Ah non, faut que je le répare d'abord, c'est vrai. Réparation est plein. Et voilà. Ah, ça pousse vite, hein. Ça pousse vite le cannabis, hein. Alors, il lui faut combien? Il lui faut 117 pièces de répa et soit 96 litres d'essence. C'est pas énorme. Ah, attends pour moi. Ah, il n'arrive pas à les pousser, les remorques. Hein. Il y a une espèce de côte, du coup, pas moyen. Hein. Elles sont vraiment compliquées à manœuvrer les remorques. Hein. Peut-être avec ce véhicule, je sais pas. Mais bon, il me semble qu'elle l'était déjà avec, avec d'autres. Arrêter le moteur. Oula, j'ai bientôt plus d'essence. C'est vrai, 180 litres, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme du tout. Hein. Alors, on va remettre la journée. On va aller chercher notre petit Mac. Alors, il va falloir que j'aille faire le plein. Ok, donc on va passer par là. Et puis aller bah, jusque là, hein. Ce sera plus simple. Salut Atman. Suffit, on n'est pas sur farming, c'est même plutôt bien, je trouve. Ouais, c'est plus accessible, je trouve. C'est pas prise de tête, c'est simple. Moi, je voudrais juste que ça marche un peu mieux, mais en soi, ce qu'il y a me suffit largement. Je savais pas que ce soja c'est du cannabis. Et si, c'est pour ça que tout le monde aime le soja, parce que sinon c'est un goût de merde. Enfin, c'est ce qui paraît, hein. J'ai jamais goûté le soja. Mais, il y en a beaucoup qui disent ça a pas de goût, c'est un goût de merde, je sais pas, j'ai jamais goûté. C'est marrant les routes, quand j'arrive à des carrefours comme ça, je me dis, ah, je devrais regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui va débarquer. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Peut-être parce que les routes font assez réalistes, mais... Est-ce que tu as remarqué des nouveautés niveau véhicule dans le comportement sinon? Bah, de toute façon, non, ils améliorent pas les véhicules au hasard. Hein. Ils ont juste enlevé le bloc diff toujours actif sur les K7M, K700. Ils ont augmenté un tout petit peu les pneus du Res Vanny Tank et c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait normalement. De toute façon, t'as le patch note pour voir ça et si c'est pas dedans, c'est qu'il n'y a rien eu de fait. Hein. Le panneau va sauter, je crois. Oh non, vas-y, ça passe. Non? Ouah, un millimètre. Oh, j'ai sauvé le panneau. Ah, j'ai pas sauvé le camion. Je passe à travers. Bon, ça, c'est normal, tous les camions font ça. Hein.
Bon alors j'ai largement assez pour lui faire le plein. Par contre pour le réparer je vais avoir quoi? Oh ah oui, 179, ça passe. Ça passe. Eh ben c'est parti, on va le réparer. J'aimerais bien un Simca Marmon, petit camion militaire. J'ai répondu, je t'ai dit, s'il grimpe aux arbres ce truc. Ah, il y a tellement de choix, hein. Chacun a ses petites préférences, ses petits avis. Il y en a qui veulent du récent, du vieux, du petit, du gros, du... Avec un énormément d'essieux, capable, pas plus que ça. Et les développeurs, généralement, ils écoutent bah, qu'eux-mêmes. Alors, ils disent qu'ils suivent un petit peu ce qui est dans les propositions. Dans les propositions de leur Discord, il y a un onglet, un salon, pardon, où on peut faire des propositions. Et apparemment, c'est de là que vient le KRS Bandit. Il a été proposé. Et bon, ça m'étonne parce que c'est un camion. C'est un Geolcom, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est pas très connu du tout. Donc, c'est étonnant qu'il ait été proposé celui-là. Donc bizarre. Oula. J'avais quitté l'écran du regard et forcément c'est à ce moment-là qu'il décide à partir. Bon, ça fait déjà 51 minutes que je débloque le véhicule. Bon, après, je me suis un peu emmerdé. Hein. J'aurais pu me débrouiller autrement pour faire la mission plus vite, mais j'avais envie de m'amuser, faire un peu de roleplay, faire un peu de... Salut Krakos et salut Freddy Tonin. Tu pourras prendre le Kenworth de BD990 quand bon semble, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut dans cette phase. Ah oui, il y a de grandes chances que je le prenne. Hein. C'est un de mes véhicules préférés, donc il y a de grandes chances, peut-être même ce soir, là, je sais pas, je vais voir. Et je vais finir de ramener le tracteur et puis je sais absolument pas ce que je vais faire après. Je vais sûrement repartir sur les tâches de la première carte. Alors il y a du dépannage, il y a de la grue, il y a des trucs, il y a quelques remorques. Donc je vais très sûrement repartir sur les tâches de la première carte et puis on verra ce qu'on prend. On sera libre. Ah merde, j'aurais dû passer, ouais. Tant pis, j'ai pris le contresens, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a personne. Bon, il va faire largement le taf à mon avis ici. Hein. C'est assez plat, il n'y a pas trop de trucs qui peuvent le coincer, donc à mon avis, je vois pas ce qui pourrait l'emmerder. Pas si on va le voir. Ouais, pour la photo, je pense que je ferai une photo sur le véhicule. Alors, réparer de ma fuel tente sur le Futum. C'est bon, on a ce qu'il faut. Faire le plein. Fuel tente sur le Futum. Et c'est fini. Pas mal du tout. Je vois que vous êtes occupé du champ et des réparations. La récolte est encore plus abondante que prévu. En récompense, je vous offre notre fidèle tracteur.
Ouais. Ouais, c'est. Non, c'est complètement con, hein, mais c'est pas grave. Merci. Je trouve ça toujours con quand même. Bon, bah, vous savez quoi? Vous avez fait un champ, hein, ça va nous remplir pendant 50 ans. Donc, on n'a plus besoin de notre tracteur, on vous le donne. Hein. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un tracteur? Il n'y en a plus besoin, vous avez fait le champ. Ah, faut le faire plusieurs fois? Ah merde! Ah, bah, on n'était pas au courant. Je sais pas comment il fonctionne. Je sais pas. Oh, j'ai oublié, faut que je fasse le plein avec le Mac. Oh, il est large, hein. Oh, il est masse large, hein. Et puis il monte pas dessus aussi. Si, il y arrive, mais avec difficulté. Ouah, la vache. Ça penchouille un peu. Faut dire, il y a un peu de poids. Ah, ça m'énerve, il est pas centré. Ouah, il glisse sur le côté. Mais c'est de la guimauve que j'ai ou c'est des pneus, les gars? Ouah, il glisse sur le côté. Non, mais faut vous calmer, là. Je veux bien que le camion est en pente, mais... c'est une pente de quoi? 2%, pas 70. Faut limite le faire sortir de la remorque pour qu'il... Ah, et puis alors, plus j'avance, plus il se casse la gueule. C'est un délire, quoi. Allez, sécurise-le, parce qu'à mon avis, il va tomber en 3 secondes, quoi. Regarde-moi ça, la différence! Ouah, mais non, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le mettre à plat, moi. On va essayer de se mettre sur la route pour le remettre droit, là, parce que... C'est un délire, bordel. Ah, il veut déjà plus. 17 litres, il a déjà plus d'essence. Je sais bien qu'il consomme 17 litres à la minute, mais... Et merde. Putain, faut avoir le moteur pour faire ses rampes à la con. Les pneus s'écrasent vachement quand même, hein. S'écrase vachement, je trouve. Je suis peut-être un peu trop à l'avant. C'est vrai qu'en fait, je le mets tout à l'avant, mais vaudrait mieux le mettre sur les essieux. Hein. D'un point de vue répartition du poids, ça serait mieux, en fait, je crois. Alors, je peux pas attraper le Mac depuis ici. Merde. Voir dans les zones de boue, c'est logique. Il y a des chevaux aussi. Il y a des chevaux? Comment ça, il y a des chevaux? Alors, on entend le bruit, mais... Ah si, là-bas au fond, j'avais pas vu. Bon, ils ont pas l'air très vivants. Hein. Ils ont pas l'air super vivaces. Hein. Faire le plein. Fuel tente. Boire. On va ramener ça à la maison. Il y a voir les chevaux, je les ai pas regardés. Je me rappelais même plus. Rarement utilisé, perso, le Boar. Bah, il est très bien. Hein. Surtout pour des remorques hautes, hein, il est très très bien. Si, il bouge vite fait. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Ah oui. Alors, sauf si je mets le mode photo, là, à mon avis, ils bougeront plus, mais... T'es pas rapide à la manœuvre, toi, en marche arrière. Allez. Alors... Ah, il s'enfuit pas par contre. Effectivement, il bouge un peu. Ouais, ça va, c'est chouette. Ça va, c'est plutôt chouette. Alors, le bobo. Et on va ramener ce véhicule au garage pour faire un petit côté roleplay, un petit côté sympa. On a un beau chargement là. Il va y avoir une petite photo ou pas?
Ça va peut-être être juste. Je sais pas si l'arrière-plan est sympa. Évidemment, il y a des arbres pour m'emmerder. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. À mon avis, on aura sûrement mieux ailleurs. Bon, bah, allez, go. On est sur le point de téléporte, on est juste à côté. Salut Tente, salut Alba. C'est parti pour le mystère de l'eau rouge. Puis lourde charge pour débloquer le bandit. Ah, lourde charge, chaud. Hein. Chaud, chaud, chaud. Hein. Je l'ai fait en step début de jeu. On est chié un peu. Hein. Toi, t'as intérêt de suivre le chemin que je conseille. J'ai failli me paumer et j'ai failli être en rate d'essence. C'était très très juste. Alors après, moi, je prenais pas les drops pour vraiment être sûr de faire comme vous si jamais vous n'avez pas le drop, mais dans les tutos. Mais waouh. Ah bah si, je prenais les drops, c'est surtout que j'en avais pas eu ce coup-ci. Je suis con, non, lourde charge, je l'ai pas fait en vidéo, j'en avais pas eu en fait. Il m'avait sorti aucun drop sur le chemin. Ah, j'ai oublié de replier les rampes, ah merde. Ah, chiotte. Bah, ça roule pareil, hein. Ça fait juste des petites étincelles, ça fait du style, quoi. Du moment que le véhicule reste dessus, ça va. En espérant que ça fasse pas un bug cataclysmique. Alors, je me rappellerai toujours dans la saison 2, quand tu voyais les camions s'envoler, quand t'avais la caméra. Oh là là, les Twin Steer qui s'imbriquaient, les camions qui s'envolaient. Oula. Et le camion est toujours là. Les rampes sont toujours là. Hop. Ouh, c'est chouette ici. Et bah, on va même pas changer la météo, j'aime bien, il y a des petits reflets là. Avec le tunnel derrière, c'est chouette. Ah, si, elle blanchit quand même la photo. Hein. Ah, c'est très chouette. Et donc. Futum mais joli quand même. Hein. Il a un petit quelque chose. Hein. Je trouve un petit peu moins sympa que le K7M. Mais le K7M, tu sais que c'est de la merde à conduire. Celui-là, tu sais qu'il est bien, donc il y a un petit plus masqué. Bon allez, on ramène vite fait à la maison. Ah ah. Ouais. Tout va bien. Tout va bien, il va bien. Ah ouais, non, non, ça bouge toujours. Super. Magnifique. Ah ça au moins c'est du sanglage de qualité. Hein. Salut H, comment tu vas? Ça doit être le stagiaire qui me l'a sanglé, je sais pas. Partout ces stagiaires virés, ouais, c'est un fléau. On s'inquiète du Covid, on ferait mieux s'inquiéter des stagiaires, hein, sans déconner. Il y a un moment, il y a un truc qui va pas. Hein. Ça va, je viens de me lever de la sieste car j'attaque le week-end de nuit ce soir. Ouais, je m'en doutais un peu. Et ben, bon courage d'avance. Plutôt joli ce petit convoi. Hein. Un bon gros camion, une remorque
Pas trop mal. Et le tracteur. Et chouette. Va peut-être falloir le sauver lui. Hein. Parce qu'il commence à nous emmerder au milieu de la route. Hein. On va peut-être le foutre sur un plateau de dépannage, le Royal, et puis reprendre la remorque. Je sais pas trop avec quoi, on va voir. Alors, c'est au niveau du château, je crois qu'on doit tourner pour prendre le truc. Le chemin. C'est pas ici, ça va être plus loin, hein. Pas tarder d'y être, je crois. Alors là, c'est du bitume, c'est pas par là. Ça doit être celle-ci. Et ben en avant. C'est pas ce passage-là qui m'inquiète le plus, c'est l'autre. On dirait que le tracteur fait l'amour à la remorque, ouais. On dirait un roquet là qui se soulage sur la jambe de quelqu'un, mais là c'est sur ma remorque. Fous la paix à ma remorque, elle est pas consentante. Ouais, ouais, ouais. Ah bah là c'est fun, hein. Là, c'est très fun. Hein. Ouais. Ah, il a réussi, je sais pas pourquoi. Oh bah là, tu devrais moins coincer et tu coinces plus. C'est vraiment de la merde ce coin. Ils ont vraiment abusé. Voilà, on a déboisé la forêt, c'est bon, on peut y aller. Pas possible. Je me disais peut-être passer là-dessus. Voilà. Ah, quelle zone de merde, sans déconner, ils abusent. Je veux bien qu'il te fasse une route écroulée où tu peux pas passer, mais... Wow. Marche arrière, s'il te plaît. Ça va pas le faire, ça. Surtout avec la remorque qui risque de même pas suivre. Il est encore plus chiant dans l'autre sens, ce passage, visiblement. Non, bah non, je veux pas accrocher derrière. Oh putain, j'ai calé une roue dedans, fais chier. Il donnait un tout petit peu d'élan, voilà. Si
Et juste, hein. Il y en a un deuxième, je crois. Ouais, ça va, il est beaucoup plus accessible. Salut Jérôme. Ça y est, mission Futum activée. Corizo sur la jambe d'Alba. Ils auraient pu mettre un petit pont. Ouais, ouais, je sais pas. Ils auraient pu faire tellement de choses. Je sais pas, tu fais déjà un détour dans une route de boue et tout ça. Et en plus, il faut que la route soit complètement pétée pour ne rien faire passer. C'est un délire, quoi. C'est un délire, je comprendrai jamais. Va faire tes pneus. Bah, tu vas arrêter de caler, bon sang. Allez. Allez, on voit la sauce. What the fuck? Oh, c'est bon, il bouge pas l'autre. Enfin, si, il bouge, mais comme d'hab, quoi. Je pensais pas que j'allais m'enterrer comme ça. Je savais bien que ça risquait de merder un peu, mais pas à ce point. Et il passe tout seul dans la boue, hein, là. Même pas besoin de mettre le bloc diff. Bon, on va être arrivé. Un petit demi-tour, là, par contre. Je voulais pas aller sur le rocher. Ouais, on va dire que ça passe. La route est même pas montée dessus, donc ça passe. Impeccable. La vérité qui blesse, Alba. Ah bah, le tracteur s'appellera Corizo maintenant. Hein. Je pense que... Bon, l'Encatra a fait pareil, mais... Et la remorque, c'est pas Alba, puisqu'il y a déjà l'Albatros dans l'expédition. Donc, il peut pas être dans deux jeux en même temps, c'est pas possible. Enfin, si, il est en mode, mais... Voilà, on leur a ramené ce foutu véhicule en bonne et due forme. Je dis oui. Ah, c'était sympa de le ramener quand même. Hop, nous avons les 4 véhicules du jeu. Alors, on va lui mettre meilleur moteur, spécial avancé, standard, les pneus, oui. Alors, avec les doubles pneus, ça ressemble à quoi? Ah, j'aime pas. C'est trop large, c'est trop large. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que c'est tellement trop large qu'ils sont même pas au même emplacement que ceux de base. C'est ça qui est fou. Il les met beaucoup plus sur le côté, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'ils s'accrochent pas pareil les doubles? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas beau. Avancer, bloc diff toujours actif. Bon, ça on va laisser ça, on verra bien. Et bah voilà, ça y est, il est custom. Il n'y a pas additional paint job, hein, non. Il n'y a pas additional paint job, et bah voilà. Nouveau tracteur débloqué, on va vendre la remorque. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'elle était tout en bas ou presque. Ah,
Voilà, mission réussie, formation du lézard, merci, au revoir.